Ladies and gentlemen, welcome to Team Nara! Allez, on envoie le pâté! Salut à tous et bienvenue dans la taverne. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce décor qu'on a un petit peu délaissé ces derniers temps avec le projet Steampunk parce qu'on se retrouve beaucoup dans l'atelier. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous montrer comment monter une murder party, une cluedo party, ce que vous voulez, de A à Z. Alors vous allez voir, la nôtre va être relativement badass et un peu compliquée. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire deux vidéos qui vont vous expliquer comment faire. La première, celle-ci sera la première partie, donc la préparation, pour vous expliquer comment tout bien préparer. Et la deuxième sera filmée le jour de la murder party, donc ce sera la partie en elle-même qui sera filmée. Je tiens à dire, avant de vous expliquer tout ça, que si la prochaine vidéo, donc celle de la murder party en elle-même, aura atteint un nombre de vues suffisant, si vraiment vous avez kiffé, on essaiera d'en faire une en live, où vous pourrez communiquer avec nous et essayer vous de découvrir qui est le meurtrier. Donc voilà, ça c'est fait les petits amis. Alors, tout d'abord, pour le scénario, à la base, on était juste parti pour faire une soirée d'Halloween. Mais comme on aime bien faire des trucs un peu spéciaux pour Halloween chez les Nara, on a décidé avec ma femme de faire une murder party. Donc nous, le thème, ça va être un cluedo. C'est-à-dire qu'il y a un meurtrier et ils vont devoir essayer de trouver qui est le meurtrier. Sauf que si c'était aussi simple que ça, ça serait trop facile. D'ailleurs, il me semble que sur notre chaîne, vous pouvez, si vous repartez bien loin en arrière, retrouver d'autres soirées Halloween qu'on a fait à l'époque. Il y a des moments d'anthologie dans ces vidéos là. Donc voilà. Alors pour ce faire, j'ai réuni 7 personnes, donc 7 de nos amis et collègues. J'ai choisi ces 7 personnes là parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est tous retrouvés à une soirée. Cette fameuse soirée, c'est mon fil conducteur. Pour moi, c'est là que tout s'est passé en fait. Ça va être la base de mon histoire. Ensuite, une fois que je savais combien on était et la base que je voulais, il m'a suffi d'aller sur internet et de trouver le scénario déjà existant de cluedo ou de murder party qui se rapprochait du scénario que moi je voulais. Donc j'en ai trouvé une qui s'appelle Nuit sanglante. Et après, j'ai imprimé plusieurs fiches. Donc pour avoir un bon scénario de murder party ou de cluedo, vous devez avoir la fiche de vos personnages. Donc la fiche de vos personnages doit comprendre, bien évidemment, le nom, profession, etc. et les traits de caractère de votre personnage, ainsi que leur secret. Donc leur secret, c'est une base que eux savent sur les autres personnages, mais que les autres personnages ne savent pas. Donc c'est un secret qu'ils doivent garder. Pardon. Ensuite, il y a les indices. Donc les indices, c'est ce que tout le monde doit trouver. Le secret doit rester secret à tout à chacun, mais par contre, les indices doivent être essayés d'être trouvés par les autres joueurs, en fait. Ça, c'est la base. Donc, nous, on a fait une soirée pour les 18 ans du fils de Fabien, du troll, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai donc décidé que ça allait être la base de mon histoire. L'histoire, c'est que pendant cette soirée, la quasi-totalité des invités sont partis, et il ne restait plus que 7 personnes, donc les 7 invités à la murder party. Pendant cette soirée, il y a eu un meurtre, mais les 7 ont fait semblant pas si intéressés en fait. Ils n'ont pas essayé de savoir comment il était mort, si c'était un suicide, si c'était un meurtre, etc., etc. Ils ont essayé de reprendre leur vie, de pas appeler la police, machin et tout. Donc c'est la base de mon histoire. Donc pour que ça soit cohérent avec notre vraie vie, j'ai fait semblant que moi, le maître du jeu, je savais ce qui s'était passé dans cette soirée-là et je savais aussi qu'ils menaient tous une double vie. Donc la double vie, c'est juste pour que les scénarios que j'ai trouvés puissent se raccorder au personnage. Par exemple, je prends mon collègue Fabien qui, dans la vie, est animateur. Là, sa double vie, ça devient un chercheur en chimie. Ok? Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Vous pouvez écrire tout votre scénario de A à Z, vos personnages, vos indices vous-même, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, à cette soirée, il y a eu un meurtre, mais eux, ils savent juste qu'ils ont découvert un cadavre, mais ils ne savent pas si vraiment c'est l'un d'entre eux qui l'a tué, s'il est mort de suicide, s'il est mort de vieillesse, ou même si c'est un vampire qui l'a tué. Comme on est sur le thème d'Halloween, je reste sur une base assez vague. Pour lancer ma partie, j'ai tout d'abord envoyé un message, ou une lettre, c'est comme vous voulez, à chacun des participants, en leur donnant le descriptif du pourquoi du comment. Donc le descriptif, c'est la soirée où il y a eu le crime. Okay? Moi, je suis parti sur un crime qui a eu lieu longtemps, mais vous pouvez faire en sorte que le crime soit dans la soirée. Ça, c'est vous qui voyez.
Moi, j'ai choisi de faire en sorte que les crimes se soient passés il y a un petit moment et qu'ils doivent donc découvrir avant une certaine heure qui a tué, sinon je les tue tous, tout simplement. Donc, moi, mon personnage de maître du jeu, j'avais envie de jouer aussi. Donc, le maître du jeu, bien souvent, ne joue pas. Et je voulais m'inclure dans la partie. Donc, la personne qu'ils ont tué à cette fameuse soirée où on était tous ensemble, donc les 18 ans de Thomas, faut suivre, hein, s'est réincarné en moi, grosso merdo, et les a invités à ma place, chez moi, pour pouvoir leur faire, faire une partie... de Cluedo pour découvrir qui est ce qui a tué en fait, et s'ils ne découvrent pas, je les tue tous en tant que fantôme pas content. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Donc voilà, c'est ma trame. C'est à dire que, effectivement, moi dans mon scénario, il y a vraiment un tueur. Je vous dis pas qui est le tueur, comme ça vous essayerez de le découvrir vous-même quand vous regardez l'autre vidéo. Mais il y a vraiment un tueur. Personne ne sait qui c'est. Quand ils vont arriver à ma soirée, au départ de la soirée, je ferai comme si moi, Pierre, je savais pas pourquoi ils venaient, c'est pour moi qui les ai invités, machin et tout, mais quand tout le monde sera là, effets spéciaux, etc, etc, là, hop, je suis possédé, et là, c'est le fantôme qui me possède, qui leur explique que c'est lui qui les a invités, qui sait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant cette soirée, qui sait qu'il n'est pas mort d'une mort naturelle, mais qu'il ne sait pas qui l'a tué, et que si eux ne découvrent pas pendant la soirée qui l'a tué, il tuera tout le monde, ok? Donc voilà, c'est mon délire. Donc, comme je disais, là, ils viennent de recevoir le scénario. Donc, dans mon scénario, j'ai juste expliqué, comme je viens de vous dire, qu'ils étaient tous à la soirée de Thomas, machin et tout, que moi, qu'il y a eu quelqu'un décédé, et que moi, je suis au courant de ce qui s'est passé, mais eux ne le savent peut-être pas, alors s'ils veulent le savoir, je les invite à telle soirée pour essayer de le découvrir, machin et tout. Il y a quelques renseignements sur tous les personnages, parce que comme j'ai changé la vie des personnages, comme je vous disais, par exemple, Fabien qui est animateur dans la vraie vie, là, devient chercheur en physique, tous ces genres de petits détails sont écrits pour que tous les joueurs savent qui ils ont en face d'eux, en fait. J'ai gardé le vrai prénom de tout le monde, machin et tout, pour que ce soit plus simple. Et ils ont aussi, forcément, la fiche de leur personnage avec leur descriptif, leur caractère, etc., les indices qu'ils ont sur les autres, et les secrets qu'ils doivent garder. Donc, bien évidemment, si vous récupérez ça sur internet, c'est plus simple. Si vous décidez de tout écrire vous-même, faites bien attention que les indices soient cohérents, que chacun n'ait pas les mêmes, etc., etc., sinon la partie va être faussée. Donc, je leur envoyais ça par message. Et pour que le jeu devienne quand même un petit peu plus sympa et qu'il soit plus imprégné dans le truc, là, je vais me déguiser et leur envoyer des messages vidéo. Les messages vidéo vont être diffusés tout de suite dans cette vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir un peu le délire. Pour rester encore dans le thème du fait que c'est pas moi, Pierre, qui les ai réellement invités, et ben moi, Pierre, sur le chat, je leur dis que quelqu'un m'a fait parvenir un email qui veut que je diffuse sur le chat. Ok, donc je diffuse, et moi, je suis au courant de rien. Et je vais diffuser mon message, et ainsi va commencer le préambule de cette soirée. Donc là, nous sommes mercredi, la soirée a lieu samedi. Donc ça va leur laisser 3 jours pour cogiter un petit peu, pour se demander qu'est-ce qui a bien pu se passer à cette fameuse soirée. Et surtout pour s'imprégner de leur personnage. Donc le but du jeu, bien évidemment, c'est que personne ne triche, parce qu'il y a des couples dans ceux que j'ai invités, donc chaque couple reçoit un personnage qui doit garder secret jusqu'au déroulement de la soirée, et ça va être difficile pour eux de ne pas en parler à table, hein, forcément. Parce que ma femme qui joue déjà me pose des questions. Donc. Et pour rendre le jeu un peu plus sympa, parce que je sais qu'il y a 2 animateurs dans ce groupe, donc qui sont habitués à faire des Cluedo, des murder parties, des enquêtes pot, ce genre de choses, je vais corser le truc en leur donnant des défis. Plusieurs fois dans la soirée, le fantôme qui me hante va prendre possession de moi et va leur dire « À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de réfléchir, plus le droit de chercher tant que vous n'aurez pas résolu une énigme ou un mini-jeu. » Donc ça va être des énigmes. Comme c'est Halloween, j'ai planqué des petits squelettes partout dans la maison et chaque énigme devra les amener à un squelette. Une fois qu'ils auront réuni tous les squelettes, ils auront l'énigme finale. S'ils ont eu résolu tous les énigmes, le jeu peut reprendre, etc., etc. Vous comprendrez mieux sur la deuxième vidéo, mais... Donc, je vous laisse en compagnie de la vidéo que je vais leur envoyer là tout de suite. Et pour entretenir un petit peu le suspense, je ne vais pas envoyer la vidéo générale. Je vais la fragmenter et toutes les 2-3 heures, même en pleine nuit, je vais leur envoyer un petit bout de la vidéo sur Messenger. Pour bien qu'ils commencent à rentrer dans l'ambiance. Et vous allez voir que comme c'est Halloween, on fera ça dans le noir, éclairé à la bougie. Bonne vidéo à tous. J'espère que j'ai été assez clair, c'est pas facile d'expliquer... vraiment, mais bon, donc voilà. Bonjour à tous. Alors qu'il est,
Je pense que vous avez déjà tous dû recevoir mon invitation. Et de ce fait, vous devez tous à présent savoir que je sais que vous menez, chacun d'entre vous, une double vie. Une double vie que jusqu'alors vous avez réussi à cacher aux yeux du monde et de votre entourage. Mais toute vérité éclate un jour. Je sais aussi que vous sept étaient ce soir-là, à la Varenne, le soir où Monsieur Polo est décédé. Je sais aussi que, comme un accord général, vous avez décidé d'ignorer tout ceci et de retourner à votre vie, du moins à votre fausse vie. Cependant, ce soir-là, j'étais moi aussi sur place. Et je pense être en mesure de savoir réellement ce qui s'est produit. Même si vous avez décidé de taire cette histoire, je suis persuadé qu'au fond de chacun d'entre vous réside encore une petite question, un petit doute. Que s'est-il réellement passé? A-t-il vraiment été tué? S'est-il suicidé? Ou encore, pourquoi pas, est-ce un acte spirituel ou démoniaque? Tant de questions sans réponse. Si toutefois, et comme je le crois, vous êtes joueurs, tous les sept, je vous invite chez Pierre, Bouc, Jean-Pierre, appelez-le comme vous voudrez. Ce petit avorton a accepté de me prêter sa maison pour cette expérience contre quelques piécettes. Bref, si vous n'avez pas peur de ce qui peut potentiellement vous arriver, je vous invite donc le 10 novembre à 8h tapant. Bien évidemment, avoir une double vie demande du temps, et je suis persuadé que certains d'entre vous n'arriveront pas à la même heure. C'est pourquoi, ma foi, dans un élan de sympathie pour vous, je ne commencerai le jeu qu'à l'arrivée de tous les invités. Si vous n'avez pas peur, je vous donne donc rendez-vous samedi soir.